Alors ça, la spécificité de Nicole, qui a amené une technique qui, Dieu seul sait, est une technique de, je dirais, d'ouvrage de dame. Oui. C'est-à-dire la broderie, elle a élevé la broderie à l'art contemporain et à la technique contemporaine, et c'est sublime. Voilà, à petits points, des milliers d'heures à faire ces espèces de petites, ces petits tableaux magnifiques où, quand on les voit, en réalité, on dirait des coups de pinceau. Au point que les gens sont obligés de venir voir très près pour se rendre compte. Et là, vous me disiez, par exemple, là, sur un exemple sur cette toile de réutilisation voilà, du support. Voilà, réutilisation. Alors, tout ce que l'on voit arriver en vert et en rouge, là, en fait, ce sont des anciens tableaux sur lesquels... Donc, elle utilise, en fait, ces anciens tableaux, elle revient par-dessus, et aléatoirement, en fait, c'est le fond qui retransparaît. Et elle est la seule. On voit là-bas du doré, du vert, du rouge. En fait, tout ça correspond à un ancien tableau qui a été fait avant. Nicole est dans c'est systématiquement son... C'est original. Sa manière d'intervenir. Comme conception. C'est toujours retravailler sur des anciens supports, retravailler... Expliquez-nous ces jolis parapluies. Alors, c'est pas très utilitaire peut-être pour se protéger quand même. Est-ce que l'idée est que... Un parapluie n'est-il pas un objet utilitaire, dites-moi? Eh bien, pas que, justement. Ça peut être aussi un objet complètement artistique. Et Nicole a travaillé là sur les ombres. Comment un objet... Nicole dit toujours, le bombé, c'est le ventre de la femme, et je ne vous dirai pas ce qu'est le manche. Donc, c'est des... Ne dévoilez pas tout. Bon. Donc, je pense que c'est un travail sur l'ombre. Laissez l'imagination faire. Et Nicole travaille avec les instruments qui sont les siens, c'est-à-dire que c'est une brodeuse avant tout. Je ne sais pas si vous avez pu voir les parapluies qui étaient en bas. Nicole est quelqu'un qui a travaillé longtemps sur le textile, qui a été créatrice textile, qui a travaillé beaucoup pour DMC et qui utilise en tant que matériau, il y en a qui utilisent la peinture, le pinceau, elle utilise... Et c'est une Parisienne, hein ? C'est une Parisienne, voilà. Absolument. Ses broderies sont exposées partout, on fait partie de collections contemporaines, de musées contemporains. Et alors là, je pense qu'elle a plutôt donné libre cours à son ciseau de brodeuse qu'à son aiguille et à son fil. C'est original. Voilà.